Beaucoup de gens critiquent mon français parce que je ne parle pas bien, parce que j'ai un accent et voilà. Je ne parle pas comme il faut, on va dire. Je le sais, mes chers amis, j'ai grandi dans la guerre. Croyez-moi, les gars, je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi, j'espère que j'ai bien prononcé, parce que la guerre, il n'y a rien de bon. Ce que toi, quand tu avais l'âge 8 ans, 9 ans, 7 ans, 6 ans, ce que toi, tu as vu sur Call of Duty, tu avais déjà peur. Ah bah imagine-toi, j'ai vu ça en réel, j'ai vécu là-dedans. J'ai vu des morts, des blessés, des tués, on a ramassé par les morceaux les gens. C'est... Il n'y a rien de bon dans la guerre. Et je ne le souhaiterais à personne, croyez-moi. Beaucoup de gens ils m'avaient demandé, Chingiz, elle est où la E39 que tu as offert à ton frère? Montre-nous un peu le résultat, qu'est-ce qui a fait Saïd sur cette voiture-là. La E39, elle est là, rien. La E39, on va dire, elle a repris la santé. Que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, que ce soit au niveau moteur. La voiture, elle était pendant 3 ans à l'arrêt. Les gars, il n'a pas dormi dans le garage, la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était extérieure. Donc, ça veut dire qu'il pleut, que ce soit il y a soleil ou quoi, toute la merde est tombée dessus. Première chose. Deuxième chose, quand la voiture reste extérieure, il ne reste pas dans la garage, tu veux ou tu veux pas, carrosserie, il va pourrir, c'est normal. Donc, il y avait capot, pare-choc avant, le montant, le coffre arrière et pare-choc arrière. Ils l'ont repeint et il est magnifique. Le propriétaire, il avait vendu cette voiture-là à ce prix-là que j'avais acheté. Je n'avais pas payé cher du tout pour 210 000 km avec un full pack M57, les gars. À ce prix-là, c'est presque impossible de trouver. En fait, il avait un problème de boîte de vitesse. C'est un daron tchétchène qui l'avait vendu. S'il savait qu'on avait réglé ce problème-là aussi vite, il serait en dépression. J'espère qu'Inch'Allah, il ne va jamais savoir. En fait, il avait un problème de boîte de vitesse. Quand il roulait, à un moment que la température est arrivée à 80-90 degrés, il chauffait, tu vois. Maintenant, ce qu'on a fait, au lieu de changer la boîte, démonter les disques, patates, tout ça, non. On a changé l'huile et filtre. Donc, pour vous dire, les gars, il manquait plus ou moins 1 litre de l'huile, ça, il manquait. 1 litre, 1,5 litre de l'huile. Et c'est énorme dans une boîte auto. On a changé l'huile, on a changé le filtre, on a tout remis nouveau, pas comme une horloge. Nickel. On a été chez le frère, reprogrammation boîte, on va dire, tu vois. Reprogrammation boîte, moteur, il a 250-260 chevaux si je ne me trompe pas. Tous les filtres, tout ce qui existe, tout, les caoutchoucs au milieu, les roulements au milieu de l'axe, là, tu vois, tout y est remplacé. Cette voiture-là, elle est partie encore 200 000 km. Malgré que tout, tu vas dire les gens, tu vois, les vrais patients, ils comprennent ce que j'ai dit. C'est que les passionnés des dimanches qu'ils ont fait stage 2 chez Auto 5, il n'y a qu'eux qui critiquent cette voiture-là. Ouais, c'est des jeunes de 18 ans, 20 ans, tu vois, qui ne comprennent rien. Que c'est de la merde, c'est des poubelles, E38 c'est de la merde, E39 c'est de la merde. Frérot, ça, c'est de la caisse. Tu veux ou tu veux pas, c'est une voiture de légendaire, avec ses phares Angel Eyes. Tu sais c'est quoi la merde, comme une bagnole? Ta Golf GTI, c'est de la merde. Ton RS3, c'est de la merde. Ton Mégane RS, c'est de la merde. Tu sais pourquoi? Parce que ton Mégane RS, dans 5 ans, dans 10 ans, on va oublier. Ta GTI, on va oublier. Ta RS 3000 chevaux, on va oublier. Ça, on n'oubliera jamais. Ça, c'est comme Mike Tyson sur la route. Mais sur la route. Mike Tyson, il n'est plus comme avant parce qu'il est vieilli. Mais ça reste Mike Tyson. Ton Golf GTI, c'est un boxeur qui se bat très très fort, mais il ne va jamais rentrer dans une histoire. Ça, il est rentré dans une histoire automobile. Hassan, qu'est-ce que tu veux expliquer à un poulet qui ne comprend rien dans le monde automobile?
côté, tu as les passionnés de Audi qui viennent te casser les couilles. Oui, s'il neige, tu fais quoi? Oui, s'il pleut, tu fais quoi? Moi, avec mon Audi, Quattro, je passe partout. Je vais travers, connard, va. Je vais travers. Je mets le deuxième, prends point, je vais travers. Et toi, tu sais le faire avec ton Audi? Non, connard, tu sais pas le faire. Les gars, c'est pas parce que je critique Audi. Non, j'aime bien Audi. Je suis un propriétaire d'un 5 Audi A8 différent. C'est beau, ça roule super bien. Mais BM, c'est autre chose, les gars. C'est un autre conduite, ça n'a rien à voir. Faut pas mélanger. Mercedes, il a son chemin. Audi, il a son chemin. BM, il a son chemin. Voilà, les gars, parce que ça me casse les couilles quand vous dites que BM, c'est de la merde. Bah, Audi, c'est de la merde alors. Le intérieur de E39, c'est l'intérieur la plus réussie de tous les temps. Que ce soit le finition, que ce soit la qualité. Franchement, mes chers amis, j'ai rien à rapprocher dans cette voiture-là. Et elle est juste incroyable. Les panneaux de porte, c'est vraiment bien fait. Parce que cette voiture-là, elle était faite par les ingénieurs, pas par les clochards de marketing. Que ce soit le toit, que ce soit le volant, que ce soit le tableau de bord, tu le vois que tout est vraiment bien fait. Là, BM, il a voulu le pulvériser et Audi et Mercedes. Et croyez-moi, mes chers amis, ils ont réussi. La concurrence de cette voiture-là, c'était Audi A6 C5, si je ne me trompe pas, et Mercedes W210. Que ce soit pack AMG, que ce soit pas en pack AMG, W210, je n'étais jamais fan. Que ce soit intérieur, extérieur. Audi A6, plus ou moins, c'était bon. Mais la BM E39, les gars, allez. Vous avez déjà vu la pub de M5, comment ils avaient fait? C'est un truc de fou, les gars. C'était, ils ont fracassé tout le monde hein, avec le pub là. Hein. YouTubeurs, ils essayent de te montrer des Porsche, des Lamborghini, des Ferrari. C'est ça qu'ils doivent acheter eux. Pourquoi ils achètent de poubelles? Hey, JMK, mon ami, achète-toi un vrai caisse, frérot. T'achètes toujours des Ferrari, des Lamborghini. Laisse ces voitures de PD, là. C'est voiture de Benjamin, là. Ça, c'est de la caisse. Je t'adore, je regarde tes vidéos, mais je ne vois jamais des voitures. Voiture de Zom, on va dire, la voiture de Zav, le racketteur du dimanche. Ça, c'est de la caisse. Achète ça, frérot. Au moins une dans ton putain de garage. Parce que t'as un putain de garage, t'as toutes les bagnoles de nouvelle génération. Mais il n'y en a aucune voiture des hommes. Et tous de trucs. Lamborghini, Ferrari, de Stamming. Putain, Hassan, BM, c'est BM. BM, quand il vient derrière toi, tu es choqué. Quand tu vois les phares Angel-Lace qui arrivent à SQ, Mercedes, Audi, ils peurent. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Il est défoncé ou quoi? Putain, bouge de là avec ta BM de merde. Putain, qu'est-ce qu'il veut, ce style-là? Putain, bouge avec ta BM de merde. Dégage, hein. Vas-y, dépasse, blé. Vas-y. Putain, avance! Ça n'en parle même pas. Je veux plus rien savoir. Ça me dégoûte. Putain, comment ça se fait que c'est toujours nous qui ramassons des bananes? Moi, je comprends rien, Chini. Il allait bien, le bagnole. Putain, moi, ça me rend malade. Et je te jure, moi, j'arrête de faire des runs. Hein. Et se faire foutre en bio. Hein. Putain, je vais péter un plomb, fieu. Hassan, c'est lui qui vient de nous mettre banane. Ouais, c'est lui, hein. C'est l'autre avec une épisode noire. T'es sûr? Sûr et certain, j'ai reconnu son visage. Monsieur. C'est pas parce que tu voulais un Porsche que tu plus rapide que tout le monde. Hé, hein. Hey, tu me croises dans la grue, ne me regarde même pas dans les yeux, ne viens même pas à côté de moi. Comment?
Je ne commence pas à me casser les couilles, toi aussi, MBO. Combien je dois 2,60. Tiens, conduis ta charrette de poulet. Ouh, putain. Espèce de connard. Les connards. Tu penses que tu vas nous casser les couilles longtemps? Attends, tu l'envoies dans le coffre, comme ça il va comprendre qu'il fallait pas casser le couloir longtemps. Attends, moi je vais le prendre, ça. Putain, il est lourd, celui-là. Putain, il est lourd, c'est pas que je t'en prends, ça. Pour le coffre, ça. Putain, sale rose. Il va dormir dans le coffre maintenant. Espèce de... Connard. Ah, ça, c'est toi qui conduis, j'ai même pas envie de conduire la voiture. Attends. Tu m'as cassé les couilles avec ton Ibiza de merde. Tu m'as cassé les couilles avec ton Mercedes de merde. Et j'ai pris le bus à 2,60€. Connard. Putain, plus jamais de la vie il va casser les couilles, Steven.